Alors, nous avons commencé à parler amour, bénédiction, remerciement. La pensée hawaïenne, c'est le aloha. Aloha, c'est bonjour, bienvenue, c'est merci. C'est aloha, ha, ha, c'est l'énergie. Alo, c'est je reconnais en toi la divinité qui est en toi. C'est un peu comme le film Avatar. Mais c'est mieux parce que aloha, c'est alo, le centre de l'univers. Et ha, c'est la respiration au centre de l'univers. Moi, ce que j'aime bien dire quand je dis le mot aloha, c'est que si tu veux vraiment parler le langage qu'il te faut pour réussir, le ha, c'est l'affirmation. Mais quand tu affirmes des choses, que tu te répètes des phrases comme ça a été fait tout à l'heure avec Cyril ou avec Laurent, eh bien, en fait, il faut lâcher prise. Parce que quand vous êtes dans l'impatience, vous empêchez la loi d'attraction. Et l'antidote à l'impatience, à tous ceux qui sont dans le contrôle et pour lesquels les choses n'arrivent pas assez vite, vos différentes positions, votre évolution, il faut être dans la gratitude. La gratitude, c'est l'antidote à l'impatience. Plus tu es dans la gratitude et plus tu te concentres sur ce qui est beau, sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, et en fait, tu es sur le chemin. Et je peux te dire que les résultats, ils arriveront. Mais le bambou chinois, il met 6 ans avant de pousser de 5 mètres. Il faut simplement être convaincu que tu es dans les choses, comme disait le STAM, Kim, en faisant les choses, en répétant avec tous les acronymes que tu as dit, et ça va arriver. Mais il faut être dans la gratitude en permanence. Alors, L de lâcher prise, O d'observer toujours ses sensations et ses émotions. Et vous allez voir, on va faire un mini-exercice de 30 secondes, et sensations, émotions. Le reste, ça ne compte pas. D'honorer chaque instant, et c'est super important de prendre du temps pour soi, et d'être dans le remerciement, l'accueil et la bénédiction, et le A d'action. Parce que dans la loi d'attraction, il y a surtout le mot « action ». Et je vais vous dire ce que je pense sincèrement. Il y a ceux qui rament, il y a ceux qui bossent, il y a les Superman de YouTube qui vous font de la motivation en te disant d'arrêter d'être sur ton canapé, de regarder la télé, etc. Mais ils sont dans la force. Quand tu es dans la force, tu n'es pas dans la puissance. Quand j'accompagne les champions sportifs, je ne leur demande pas de taper plus fort ou de taper plus vite. Je leur demande de taper juste. Et pour être dans la puissance, il faut être dans une certaine stratégie. Ce que j'ai appris dans les études de physique, je ne sais pas si vous vous rappelez vos cours de physique, la différence entre la force, l'énergie, la pression et la puissance. Les 4 définitions vont vous parler. Et moi, personnellement, quand je vois les gens que j'accompagne aujourd'hui, 38% des gens en France, sont aux portes du burn-out. Parce qu'ils n'utilisent pas leur subconscient, ils sont toujours dans des contraintes, ils ont le frein à main, ils forcent tout le temps. Et en fait, ce qui est important, c'est de comprendre que quand tu es dans la force, tu donnes un sens, tu donnes une direction, une intensité et une durée. C'est comme un coup de poing qui est donné dans le sac. L'énergie, qui se mesure non pas en newton comme la force, elle se mesure donc en joules, c'est le mouvement que le sac va subir par la force. OK. La pression, c'est la force que tu appliques à une surface. Elle se mesure en pascal ou en newton par mètre carré. Mais ce qui est important, c'est la puissance. C'est-à-dire, c'est la vitesse avec la force. Et pour moi, il faut agir très vite. Pourquoi je dis ça? Parce que la passivité... Aujourd'hui, de plus en plus, les gens deviennent passifs. C'est quoi la passivité? Passivite et... Passivite et... Ben, là, tu ne fonctionnes pas avec le subconscient. Il faut aller de suite, réaction, action, réaction. Et quand tu es là-dedans, ben, je peux te dire que ta vie apprend un autre niveau et tu deviens dans la puissance. Et chaque fois que tu fais ça, moi, quand Mehdi m'a demandé... La formation, 15 jours après, il y en avait 2. Une semaine après, il y en avait une troisième. Et puis, on a fait un mois après pour la quatrième. Tac, 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 tac. C'est débarrassé, je passe au suivant. Mais ça ne me demande aucun effort parce que je ne force pas. Mais je suis habitué aujourd'hui à me mettre un agenda avec des stratégies et de bâtir les choses à l'avance. Donc, 8e secret, est-ce que vous voulez vivre comme un alpha jet ou comme un gros bêta?
Les ondes bêta, c'est celle du cerveau gauche. Les ondes alpha sont caractéristiques de l'hémisphère droit. Et donc, tout ce que tu suis te fuit. Alors ne cours pas après la réussite, mais attire la réussite, deviens la réussite. Et ça, nous allons faire un exercice pour le terminer, vous allez comprendre. C'est d'être dans l'action, dans la sensation et dans les émotions. Alors, personnellement, les gens que j'accompagne à tout niveau, surtout dans le sport et des artistes, je peux vous dire mais que tu peux tout à trois conditions. Là, aujourd'hui, j'accompagne une personne qui est dans l'équipe de France de VTT, donc style, c'est-à-dire les acrobaties qui sont faites. Laurie, qui est de Lézignan, qui est venue me voir entre Noël et Premier Milan. Elle était 27e mondiale, elle est passée 6e mondiale. Là, on vise la qualification de l'équipe de France. Elle a 16 ans, elle a la pression sur ses épaules. Donc, je dis non, tu vas faire comme si c'était tes meilleurs entraînements. Toutes les personnes dans sa catégorie ont 25, 26 ans, elle a 16 ans. Et je peux te dire, je lui ai dit, on n'est pas en train d'avoir un objectif pour 2020, on est pour 2024, 2028. Et en fait, c'est ça. Il faut se libérer de ses pensées négatives et surtout sortez du troupeau. Mais sortez du troupeau. Soyez vous-même, n'écoutez pas les autres. Et chaque fois que quelqu'un te fait des jugements, comprends que c'est de lui qui parle. Mais surtout, les jugements sont intéressants parce que si tu réagis mal à un jugement, c'est qu'en fait, ça te révèle une croyance que tu as, qu'il faut modifier sur quelque chose. Écoute ton génie intérieur. Alors, ton génie intérieur te révèle les moyens d'arriver à tes fins. Et je parle du bonheur parce que je vous ai dit en début que pour moi, le bien-être n'est pas négociable. Ce n'est pas un objectif du développement personnel. Le développement personnel, le point de départ, c'est d'aller bien tout le temps. C'est pour ça que je demande toujours aux gens « Comment vous allez bien ?» Et maintenant, si je vous demande comment vous allez bien, vous allez me lever les deux bras. Voilà. Et je vais vous répondre, et ce n'est que le début.